Dernier.
une très belle journée. Je ne vous cache pas qu'on avait un petit peu peur du temps, parce qu'on a vu que la semaine n'était pas très heureuse. On était gâtés par le temps. Il faut croire que les bonnes fées sont penchées sur nous. On a retrouvé nos amis des cousins, parce que maintenant c'est une amitié qui nous lie. Et on a profité de ça. Les résidents du foyer, des personnes adultes en situation de handicap ont profité de cette journée. Les familles ont pu venir. C'est une réussite, il n'y a pas d'autre mot, et c'est beaucoup de plaisir. Alors, pour avoir une petite idée, le patio, c'est combien de résidents? Alors, le patio, c'est un établissement qui dépend d'une association, qui est la FAEDAM, qui a plusieurs établissements. Nous, on a un établissement qui accueille des gens en internat et en externat. C'est-à-dire externat, ils viennent du lundi au vendredi. Internat, ils vivent là tout le temps. Et on est ouvert toute l'année, et on a 32 résidents. D'accord. Et l'ensemble du personnel autour de vous? Alors, on a différents types de personnel. Personnel éducatif, moniteur-éducateur, des AMP. On a une secrétaire, un chef de service. Ouais. On a des gens la nuit, parce que la nuit, on ne ferme pas. Des surveillants de nuit. Et puis, on a les personnes qu'on appelle les AIC, ouais, qui sont là pour préparer à manger, laver le linge, etc., etc. C'est une vraie petite maison, une famille, et on fonctionne comme ça. On voit bien que c'est une véritable, oui, famille. Hein. Oui, ben, y a une ambiance formidable. Bon, après, j'ai de la chance, j'ai aussi un personnel qui est extraordinaire. Bah, ils ont donné de leur temps beaucoup aujourd'hui, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Moi, je suis un directeur heureux, c'est compliqué de dire ça parce que ça fait bizarre d'entendre un directeur dire ça, mais moi, je suis un directeur heureux. Voilà, ça existe. Ouais. Et vous êtes combien de personnes, combien d'encadrants? Alors, le personnel, c'est 21 personnes. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall.
it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fast. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Our first time, our first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. C'est une vieille collaboration, d'ailleurs c'est plus une collaboration, c'est de l'amitié. Oui. On se voit un peu avant même. Voilà. C'est toujours un plaisir de venir. Voilà, exactement. Voilà. Un plaisir et on va le renouveler parce que c'est une fois une fête réussie grâce à tout le monde, tous ceux qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes, les bikers et le personnel du patio. Ouais, bravo, bravo au personnel, ouais. Bravo. Et les amis, les habillés aussi. Merci à tous, merci aux familles d'être venues. Et ben l'année prochaine, voilà, on recommencera. On prend les mêmes et on commence. Merci. Et là il reprend. Et moi je reproche. Bon Alain, comment s'est passée cette journée? Alors comme d'habitude, bien, nickel. Ouais. Et puis bah, toujours la même chose, comme je disais tout à l'heure, on est toujours bien accueillis. On les a promis pratiquement tous. Et la voiture américaine, bah, elle a fait son effet aussi. Ben, ça a permis à des gens qui ne voulaient pas rouler en moto. Et... ils ont pu participer avec. Quoi. Et d'accord. Puis toujours bien accueilli ici. C'est vraiment. C'est la fête, quoi, ici. Ça fait partie de la famille. Ouais. Ouais. Voilà. Alors, tu leur as remis un chèque de 900 euros, c'est ça? Un chèque de 900 euros. Ouais. Comme ça va. Ben, c'est le but de l'association. Ouais. C'est de récolter de l'argent par le biais de nos repas et actions qu'on fait. Et puis après, on redistribue aux VME, aux FAP et aux FIFAS. T'as une petite idée de ce que vous allez en faire de cet argent? Oui, j'ai un projet qui est en place depuis 3 ans. On aimerait en fait fermer l'établissement et emmener les résidents qui n'ont pas les moyens
en vacances, entre un séjour, en court séjour de deux nuits. Voilà. Ah oui, c'est grâce pas mal. Grâce au don-là, je pense que je vais réussir cette année à faire quelque chose. Ouais. Bah là, vous, récemment, vous êtes allé au Sénégal. Oui, alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est dans le cadre d'un transfert dans l'établissement. Voilà, avec d'accord. Des résidents internes. C'est complètement... Ça, c'est des projets, c'est leurs vacances. C'est des choses qui se passent tous les ans. Là, c'était exceptionnel, puisque c'est l'association de ma présidente, les amis de Gandiol, qui nous ont proposé ce projet un peu fou. Ouais. Voilà. Parce que c'est des sacrés budgets, hein, quand même, quelque part. Ouais, ouais. C'était vraiment un voyage humanitaire. Là, maintenant, ce que je peux leur offrir, ce que je veux vraiment faire, c'est pouvoir les emmener en week-end, deux jours. Et puis, voilà, c'est pas autre chose. Moi, j'aime bien les projets en fait. C'est un peu. On aurait peut-être dû se porter. Mais oui, en moto. On descend en moto. Ah, ça pourrait être une idée, ça. Hein. On descend en moto. Je vois pas beaucoup de mains à lever. Hein. C'est bon, hein? Il faut que tu parles fort. Alain, il faut parler fort. Parle fort. L'association Les Cousins offre un don au patio et comme chaque année, cette année, on va pouvoir